Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un unboxing. Voilà, donc c'est un unboxing que j'ai commandé sur AliExpress. Voilà, donc c'est des toiles un peu à part de ce que je vous ai montré jusque-là. Voilà, c'est des toiles d'une série dont je suis archi fan et que certains d'entre vous connaissent. C'est la série Riverdale. Voilà, je les ai vues sur une vendeuse, je dis bah tiens, c'est l'occasion de les tester. Voilà, donc j'ai pris trois toiles de Riverdale. Donc je suis là pour vous les montrer et bon les découvrir avec vous parce que je suis très impatiente de les voir. Voilà, donc bon, cette vendeuse est très très bien. J'avais eu des soucis au niveau de la commande, donc elle avait pris le temps de bien regarder avec moi et elle m'a même fait un prix. Voilà, elle m'a fait un prix de. Elle m'a fait un code promo, il me semble, de 30% sur la totalité. Donc en gros, les 4 toiles, parce que j'ai pris une autre toile du dessin animé Dragon. Les 4 toiles, je les ai prises à 30 par 40. J'en ai eu pour 12 euros les 4. Donc ça revient pas cher, sachant que c'est un 30 par 40. Normalement, 30 par 40, on en a pour 7, entre 7 et 9 euros la toile sur AliExpress. Hein. Donc j'avoue que j'ai fait une belle affaire. Et puis la dame très très gentille. Donc je vous mettrai évidemment son. Le lien de son enfin de son de sa page AliExpress directement sur YouTube, enfin sur ma chaîne directement. Donc voilà. Donc du coup je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est vrai que l'emballage est un peu j'aimerais vous dire bastos, assez gros. Voilà. J'essaie de l'ouvrir comme j'ai pu. Encore, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une voisine très très gentille parce que le colis n'était pas arrivé chez moi, il était arrivé à une voisine de la rue opposée. Donc elle a pris quand même une bonne heure pour chercher ma maison et pour venir me l'amener en main propre. Donc j'ai eu une chance incroyable parce que je crois que si j'étais tombée sur quelqu'un de moins généreux, j'aurais jamais vu ces toiles. Voilà, alors pour la petite parenthèse, on y va. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on va tout sortir directement. Hop. Bon, ça, en tout cas, c'est bien emballé. Papier bulle, du scotch. Ah, évidemment, si je prends pas. Ah, on va essayer d'enlever. Alors, une fois là. Mais je crois qu'en fait, ils font ça souvent. Et ils m'ont mis. Je sais pas si vous voyez. Ils m'ont mis toutes les toiles ensemble. Dans le petit machin rond. C'est pratique aussi. Je vous avoue. Alors, du coup, là, nous avons une toile. Enfin, une toile. Oui, une toile. La deuxième toile. Mais où? Enfin, c'est à côté, c'est un peu pénible. La troisième toile. Et la quatrième. Alors, voilà comment c'est arrivé. On a le rouleau. Alors, chez cette vendeuse, il y a le rouleau directement avec toutes les toiles. Ensuite, on a les perles directement. Chaque toile a ses perles. Voilà. Et après, on a les ramequins qui vont avec. Une, deux et trois. L'autre, elle doit être directement dans la. L'autre, elle est directement dans le sachet. Alors, voilà. Évidemment, là, encore une fois, on a le stylo, la barquette et la colle. Cette fois-ci, on a une pince. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes autres unboxings. Dans les autres, il n'y avait pas la. Il ne semble pas avoir vu la pince. Voilà, donc là, il y a des pinces. Donc, les pinces, ça sert aussi souvent pour replacer les perles ou quoi. Bon, donc, je les mets de côté. Hop! Ensuite, on a les quatre. Je vais essayer de vous montrer les modèles. Alors, si on arrive à l'ouvrir. Alors, l'emballage, j'aimerais vous dire, mais quand même, c'est pas mal. Je vais essayer de pas tout mélanger. Ah oui, cool, là, là. Alors, je vais essayer de pas tout mélanger. Hein. Alors, ça, c'est ma première toile. Le velours. Ça, c'est bien, par contre. On a le modèle. Ça, c'est vraiment top sur avec cette vendeuse. Donc, je pense que sur AliExpress aussi, il y a les autres. Voilà, donc pour les fans de Riverdale, c'est un des acteurs que j'aime beaucoup. Il joue le rôle de Jughead. Voilà, donc ça, c'est la toile. Donc, ah oui, je sais pas si on voit bien, parce que je suis un peu à contre-jour. On a 30 packs, 30 couleurs. 30 codes couleurs, c'est pas mal. J'ai de quoi faire. Voilà, donc ça, c'est la première toile. Hop. Désolée pour le bruit. Après, évidemment, on a toutes les couleurs avec. Alors, c'est vrai que sur les autres unboxings, les perles, les sachets de perles étaient un peu mieux rangés. Là, c'est vrai que si vous voyez, c'est un peu en froufrou. Bon,
Après, voilà. Ça, c'est la première toile. La deuxième toile, toujours Riverdale. Ah, je suis contente. Hein. Voilà. Ça, c'est la deuxième toile. Voilà. Là aussi. Donc là, c'est tous les personnages de la série. Voilà. Et là, pareil, on a 30 couleurs. C'est pas mal. Voilà, donc même principe, hein. Mis directement dans le sachet. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Chaque modèle de toile a son petit paquet avec toutes ses perles dedans. Voilà. On peut tout les faire ensemble. Hop, la troisième toile, encore une fois, Riverdale. Bon, c'est la dernière. Hein. Oh, je suis contente parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur les sites où j'ai pris déjà, j'ai pas trouvé des toiles de Riverdale. Là, AliExpress, c'est vrai qu'ils ont du choix. AliExpress, ils ont pas mal de séries, de films, quoi que ce soit, donc c'est vraiment pas mal. Après, et bien, ouais. C'est un peu brouillant, hein. Je suis désolée. C'est vrai que les déballages, c'est tout un... On a pareil, hein. Un petit sachet, même principe. Voilà. Donc ça, c'est mon petit... Voilà. Deux personnages phares aussi de la série. Pareil, 30 par 40. Il me semble que... Voilà, il me semble qu'il y en a 34 couleurs aussi. Voilà. Donc ça, c'est celui-là. Et on a l'autre que j'ai pris, c'est de la série... Le film, oui. Ils ont déjà fait une série, mais... Le film Dragon. J'ai beaucoup aimé ce film. Je me suis dit, bah tiens, c'était sur leur. C'était chez la vendeuse aussi. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas compléter avec ce petit dessin-là. Voilà. Je trouve magnifique. Voilà. Donc là, pareil. Hein. Il y a 30 codes couleurs aussi. Voilà. On est pas mal. Donc pareil, il y a même principe, toutes les couleurs mélangées. Hop, ça mélangé dans le sac. Après, c'est quand même rangé par couleur. Hein. C'est vrai que là, par exemple, on a. 1, 2, 3, 4, 5 de 5 du même code couleur, par exemple. C'est quand même mis par couleur, mais c'est vrai que c'est mis un peu en... Voilà. Voilà. On va regarder, du coup, le rouleau. Alors, le rouleau. Alors, le rouleau, comme je vous ai dit, ils ont mis les 4 toiles ensemble. Donc ça, vous voyez, c'est la première toile. Alors, j'adore les rouleaux. Il faut repasser derrière. Hop. Voilà, alors ça c'est la toile de du dragon. Voilà. Voilà, alors je sais pas du tout si on peut voir dans... Est-ce que vous voyez? Si vous voyez, donc ça c'est bon. Voilà. Alors c'est vrai que l'emballage, enfin l'emballage, le scotch, la feuille protectrice, dans les autres unboxings c'était transparent, donc on voyait directement le dessin. Là c'est vrai que c'est... On voit rien du tout. Bon, je vais essayer de voir si en l'ouvrant on voit. Je n'ai pas fini si je voulais. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, je n'ouvre pas entièrement. J'ai trop peur de l'abîmer. Voilà. C'est la première fois que je fais un unboxing AliExpress. Donc, j'ai pas envie de... Le problème, c'est que si je remets mal là... Si je remets mal là... Machin. La petite feuille, j'ai peur d'abîmer mon... La colle. Voilà. Donc, je les ouvre pas. Voilà. Donc, voilà. Du coup, on a la toile, celle-là, c'est dragon. Donc, elle est bonne. Donc, c'est bien du 30 par 40 aussi. Ah, elles sont belles, hein, les 30 par 40. Moi, j'aime bien. Bon, c'est vrai que c'est mieux plus grand. Mais bon, après, quand on a le budget, c'est chouette de mettre plus grand. Dans mon budget. Et puis, au prix où je les ai eues, franchement, je regrette pas... Quasiment 12 euros les 4 toiles. Enfin, ça va, je suis contente, je m'en sors pas mal et je suis contente. C'est un vrai coup de cœur cette vendeuse, un vrai coup de cœur ces produits. Et ouais, vous voyez la qualité, je pense que vous pouvez y aller en toute confiance. Donc je vous mettrai évidemment le lien le lien directement. Bon, après, je sais pas si on peut voir derrière, non, même pas. Voilà. Et je regrette vraiment pas, ça a l'air de super qualité. Donc comme quoi, on peut avoir des belles surprises aussi sur AliExpress. Voilà, pareil, hein, c'est le deuxième que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ça, c'est le deuxième.
On en a trois. Il faut que j'enlève aussi les scotch. Bon, c'est vrai que c'est bien fait, hein, franchement. Le rouleau, le scotch. Du scotch qui s'enlève facilement aussi. Ça, c'est vraiment top. Alors, c'est vrai que le seul petit point positif, bon, après, c'est pas que cette vendeuse-là. Il y a beaucoup de vendeurs AliExpress qui le font. C'est qu'on voit pas à travers. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais après, bon, voilà, c'est aussi le fait de surprise aussi. C'est bien aussi. Bon, j'ai jamais été déçue aussi des toiles que j'ai achetées sur AliExpress. Voilà, donc ça, c'est l'autre que je vous ai déjà montré. Voilà. 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 Donc oui, maintenant vous le saurez, je suis une très très grande fan de Riverdale. Voilà. Et donc du coup, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas tenter de faire des achetants Diamond Painting. Alors après, j'ai hâte de le faire, de les faire surtout. J'attendais 4 petites commandes. Et c'est vite arrivé au passage, j'ai oublié de vous le dire. C'est arrivé, c'est simple, j'ai commandé le 4 décembre exactement. Et on est le 13 décembre. Donc je les ai reçus hier. Donc hier, vous voyez, ça arrivait assez vite. D'habitude, on attend super longtemps. Mais alors avec elle, c'est assez rapide. Franchement, c'est top. Voilà, donc ça, c'est l'autre aussi. Même principe. 30 par 40. Bon, l'emballage le petit papier là, il est vraiment très, très adhésif. Donc c'est très bien. C'est vrai que j'ai pas osé l'ouvrir. Voilà. Celui-là aussi. Bon, c'est tout petit, évidemment. Bon, je vous ai montré les modèles, c'est pas mal. C'est super bien présenté, bien rangé. Franchement, rien à dire. J'aurais vraiment aimé vous les ouvrir entièrement, mais j'ai peur de plus arriver à remettre la colle. Ben, ce que je ferai, c'est que je ferai des diamond painting directement en vidéo avec vous si ça vous tente. Voilà, donc je vais en choisir, je verrai laquelle commencer et je le ferai avec vous. Ça permettra de voir l'avancée, de voir le résultat. Voilà, je pense que je vais pas tarder à vous en faire une vidéo d'ailleurs de Riverdale. Voilà, bon, mais voilà mon petit unboxing. Donc voilà, évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à commenter directement comme vous le souhaitez. Voilà, et puis ben, merci de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!